Yahoo Vidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est un tag que j'ai déjà fait en fait avec mon ami Kurama, on avait fait la vidéo ensemble à l'époque, mais comme ça date de novembre 2019, je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce qu'il y a eu pas mal de changements au niveau de ma façon de consommer les mangas, etc. Et voilà. Et n'hésitez pas à mettre aussi vos réponses en commentaire, ça me ferait très plaisir. Je mets aussi les questions dans la barre d'infos, promis. Question numéro 1, quel est ton rythme de lecture? Ben, il est plus ou moins de un manga par jour, même si des jours où je suis sur Bordeaux, il y a des fois quelques loupés. Donc on va dire en fait si je passe 7 jours sur Bordeaux, si je m'en tire avec 5 mangas de lu, c'est bien 4. Je suis plus à 4 que 5. Mais ça dépend parce que là on est entre parenthèses à l'été, donc je laisse plus de marge aussi à voir du monde, à croiser du monde, etc. Alors que par exemple en septembre, il y a des trucs que j'envisage pour moi-même déjà dans la vie de tous les jours, etc. Que j'essaye en fait d'avoir beaucoup d'avance sur septembre et octobre. Pour septembre et octobre, travailler et bouger et agir même pour moi-même de façon totalement différente. Donc voilà. Après ça reste à voir, mais on va dire que tout un manga par jour quand je suis à Ourseland et un manga pour 2 jours quasiment sur Pandaland. On va dire ça comme ça. Au cas où, pour ceux qui ne le sauraient pas, Ourseland c'est ici, c'est chez mes parents, et Pandaland c'est donc à mon appartement, à moi, à Bordeaux. Un ou plusieurs livres en même temps, ben, en fait si c'est des séries ou quoi que ce soit, ça m'arrive d'en lire. Alors je vais essayer de ne pas aller plus loin que 3 différentes, surtout quand les thèmes sont totalement opposés. Après, ça peut être 2 séries et genre des histoires courtes entre temps, de grosses séries, je veux dire dans les 10 tomes ou quoi, et les hentai que je casse parce qu'il en faut un par semaine ou des trucs comme ça. Mais sinon, voilà, ça va être 3, j'aime pas trop plus. 4, ça peut passer encore, mais pas plus, vraiment pas plus. Après, ça c'est plus pour dans les vacances que je mélange autant. Papier ou e-book? Bah, à l'époque, j'avais dit que papier, et maintenant j'en lis aussi en format numérique. Alors, c'est pas tout le temps, c'est souvent, par exemple, quand je suis dans le train ou quoi que ce soit, et encore quand j'y pense, parce qu'en ce moment, je ne prends même plus le temps, c'est, par exemple, quand je vais voir mes psys, quand je suis en vacances, par exemple, je m'emmène, là, j'ai fait une pile à lire, du coup, pour aujourd'hui, le jour où je fume, on est le 8 août, et donc, on part presque une semaine chez des amis, donc, je m'emmène, les mangas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mangas. Mais au cas où, j'ai par exemple sur mon téléphone, parce que j'ai une application qui permet de lire. Enfin, j'en ai même plusieurs. Et donc voilà, ou alors j'emmène ma tablette aussi, ça dépend où et quand en fait. Mais voilà, donc je lis maintenant un peu plus de format en numérique. Mais après aussi, il y a eu le Covid entre temps qui m'a permis et appris à consommer différemment. Ensuite, relis tes livres? Oui, mais c'est très rare. Quand j'ai envie de les relire, en fait, c'est surtout que j'ai envie de les relire parce que c'est les premiers titres que j'ai lus, que je n'ai donc pas présenté en vidéo YouTube. Mais je me laisse pas trop le temps parce que déjà il y a tellement de choses qui sortent que voilà, et que j'y pense pas forcément. Et les séries très longues, forcément non, je m'autorise pas, tout simplement parce que ça met trop de temps. Alors, faudrait que je m'envoie. On voyage avec que de la voiture, en fait. Limite, si quelqu'un veut aller d'un point A à un point B en faisant un aller-retour, style... voilà, avant, j'avais ma grand-mère, donc on allait l'emmener et ça faisait 7 heures de route. J'ai accepté de venir juste pour faire les trajets en voiture et donc lire. Donc, quel genre de manga lis-tu principalement? Je lis de tous les genres. Je le rappelle, je présente sur la chaîne du Kodomo, Shoujo, Josei, Shonen, Seinen, Yaoi, Yuri et Hentai. Donc voilà. Après, la catégorie qui est la moins lue, forcément, c'est Kodomo parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Le Shonen parce que je préfère largement version animée. Donc quand je parle de Shonen, je parle vraiment des trucs classiques comme Naruto, Bleach, One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, etc. C'est des titres que je vais préférer consommer en manga, en animé comme manga, et après les shonen purs comme ça, sinon les autres titres, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus.
Et je décroche de plus en plus de ce qu'on appelle vraiment le shoujo dit classique, et je m'intéresse plus au ce qui est vraiment le josei, parce que bah, j'ai une préférence au niveau de la lecture et que je suis de moins en moins le public visé pour le shoujo pur, et que je trouve ça assez facilement répétitif, et personnellement ça m'ennuie quand c'est trop vu et revu. Et quel est ton rapport avec ta pile à lire? Bah, j'essaye de la dézinguer le plus possible. Là, j'ai quand même pas mal progressé dans l'année. Le seul problème, c'est que j'ai acheté quand même quelques petites nouvelles séries. Et que franchement, là, mon objectif, même pour la fin 2023 et tout 2024, c'est de ne pas acheter de nouvelles séries ou très peu. Et surtout terminer des séries. Et je vais me faire par contre un carnet par mois, en fait, avec le nombre de nouvelles séries où j'aurai craqué. Et le nombre de séries que j'aurais retirées en lisant, du coup, voilà, pour équilibrer. Sachant que bah, je ne m'interdis pas les collabs style Meian et Agatha, qui sont les collabs fixes et permanentes. Donc voilà. Et si c'est des séries courtes aussi, j'achète quand c'est jusqu'à 8 tomes, en gros. Voilà. Mais sinon, j'essaie de plus en plus de la détruire, qui est pas forcément beaucoup non plus, parce que j'ai dans les 300 titres bouquins différents pour Halloween et à peu près la même pour les séries normales, c'est trop en fait. Voilà, honnêtement, je trouve ça trop. As-tu déjà eu une panne de lecture? Oui, j'en ai déjà eu plusieurs. Et que fais-tu pour en sortir? Bah, en fait, à chaque fois que j'ai fait des pannes de lecture, c'était avant que je me fasse opérer des chirurgies esthétiques. Parce que, alors, je compte pas l'année scolaire dernière, parce que l'an dernier, en fait, bah, j'ai déjà baissé ma quantité de vidéos. Avant, j'étais sur une vidéo par jour pour Ibiotaku, et il y a une période aussi, pour les deux premières opérations, j'étais à une vidéo un jour sur deux quasiment sur Ibi World, donc c'était vraiment insoutenable. Et donc, bah, je lisais beaucoup plus que d'habitude, et ça en devenait une overdose, donc forcément, je faisais un burn-out au niveau de ma lecture, des pannes de lecture si tu préfères. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je recommençais tout doucement avec des Kodomo parce que c'est des lectures détente, chill et tranquille. Et après, du coup, dès que je voyais que ça allait un peu mieux, j'attaquais sur des vrais titres. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas aussi à aller voir dans la barre d'infos, tu auras la liste des questions, les liens vers mes autres réseaux sociaux, des codes promo pour quelques sites et aussi du coup le lien de l'ancienne vidéo avec Kurama. Sur ce, à bientôt!